Nico, bah, Joe est venu travailler à Vincennes ce soir. En vue de quoi? Bah, le suite classique samedi prochain, à Pouilly-et-Mines. Bah, les femelles. Bon, ça a l'air d'aller. Que s'est-il passé depuis sa dernière tentative? Bon, on l'a laissé un peu décompresser, on l'a re-soigné parce qu'il avait quand même même si c'était pas trop justifié, il avait quand même un petit défaut qui n'était pas parfait l'autre jour, donc il avait distancé. On s'est attardé à le soigner, à leur donner un peu de souplesse. Et puis on l'avait bien laissé décompresser, puis là on rattaque gentiment. De condition, tu le penses à 100% tout de suite? Bah ouais, mais de fraîcheur, il est capable de faire une petite bêtise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le programme est un peu fait bizarrement parce qu'au mois de février, on a des courses tous les 15 jours. Et puis après, on a un mois et demi sans course, alors ces chevaux-là, ils ont quand même besoin d'y aller, quoi. Est-ce qu'on vise le Saint-Léché des trotteurs avec lui? Non, je pense qu'on... Ce serait surprenant qu'on le court, il faudrait vraiment que... Le cheval soit plus que parfait et qu'il gagne facile la prochaine fois, que Mathieu me dise ici on y va, mais sinon il y a quand même peu de chances qu'on aille le courir. Bon, alors samedi, l'objectif c'est un bon parcours. Sur sa classe, il a le droit d'être tout de suite dans les trois. Bah, déjà samedi, à mon avis, de fraîcheur, il va pas trop maîtriser la bête, donc s'il part au trot, il va faire comme d'habitude, il va aller devant et puis il va avoir du mal à le tenir. Yeah.